Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais parler de vinyle que j'ai acquis récemment et j'attends juste l'autre vinyle, tout simplement. J'aurais pu faire la vidéo en attendant l'autre, mais bon, je vais faire celle-là quand même. Parce que c'est un vinyle que je recherchais, mais ce n'est pas un best-of. Je suis un peu déçu là-dessus par contre, parce que je voulais un best-of à la base. Pourtant, j'ai bien marqué best-of. Bon, bref, voilà, je vous présente le vinyle. Il est super génial. Doc Gineco, un album de 2003. Voilà, réédité récemment. Voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est un double album. Donc, tout simplement, un très très bel album. Ah, faut le dire, regardez la couleur, elle est magnifique, moi j'aime bien. C'est franchement, c'est un très bel album. Double album, hop là, voilà. Voilà, très très bel album, vous voyez, hein. C'est vraiment magnifique, c'est un très très joli disque, donc c'est un genre de orange, voilà, c'est un jaune mais orangé. Double disque, hein, faut préciser parce que. Voilà, je vous fais comme ça, on va être plus simple. Voilà, hein, vous êtes, voilà. Et là, je ressors l'autre. Hop, voilà. Donc, vous voyez, il y a le tout petit là qui est le même, hein, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un très très beau disque vinyle. Bon, par contre, je préfère le disque 1 que le disque 2. Et voilà, tout simplement, là, il y a une préférence. Alors, par contre, moi, je voulais le best-of, c'est pour ça que je reviens sur mon petit mot de tout à l'heure. J'aurais préféré plus un best-of de Doc Gineco. Pourquoi? Parce que les meilleures chansons, ça aurait été malheureusement. Là, je me retrouve avec un disque qui est très bien, assez bien enregistré, assez bien posé, qualité sonore, et des vinyles. C'est du son de vinyle, correct et génial comme son. Je suis pas trop ce style de musique, mais j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime bien révéler la vérité. Après la suite ne suit pas comme tous les autres artistes qui se disent anti-société. Et en fin de compte, c'est les premiers qui vont faire les plus grosses conneries, qui se font se vacciner et tout le bordel. Donc après, voilà ce que je voulais dire. Donc en fin de compte, c'est des gens qu'il faut pas trop suivre en gros. J'ai pas la chanson qui me plaisait le plus, qui me plaisait bien. Chacun son chemin, chacun sa route. Je n'ai pas celle-ci. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment le best-of. Donc j'ai pris quand même celui-ci, j'ai trouvé hyper sympa comme vinyle. C'est un vinyle qui est super génial d'un sens. Très très joli. Hein. Maintenant je vais vous présenter un peu les pochettes à l'intérieur, les petites pochettes avec leur disque. Hein, parce que là, franchement, là-dessus, j'ai rien à dire. Là, c'est le disque. Voilà. Donc voilà. Hein. Tant pis des mal mis. Voilà. Voilà. Je vous présente. Là, c'est le disque 1. Disque 1, voilà, et vraiment rien à dire. Très beau disque, ça là-dessus impeccable. J'aime beaucoup. Chez voilà. Alors, pour information, je les ai commandés à la Fnac.com. Je me déplace quasiment rarement à aller à la Fnac parce que voilà, tout simplement, il y a un souci, c'est que voilà, tout simplement, voilà. Il y a un souci parce que je me déplace pas beaucoup en ce moment, tout simplement. Et bon, comme on commande par internet, donc préférable de commander par internet. Je commande beaucoup par internet, donc comme je vous ai expliqué, je commande un peu moins. Normalement, il y en a un autre qui n'a pas tardé à arriver. Il y a un autre disque qui n'a pas tardé à arriver, mais celui-ci, je n'ai pas commandé à la Fnac, je l'ai commandé dans eBay. Et voilà, il y a Chris Kia qui va venir, qui appartient à la Fnac. Celui-ci, je ne sais pas comment il a le disque, je ne sais pas s'il sera noir ou bleu, j'en sais rien, pourtant je crois qu'il doit être noir.
L'autre, on verra que ce que c'est comme disque. Je ne l'ai pas payé cher. Hein. Franchement, je ne l'ai pas payé cher. J'ai pas payé, je crois que j'ai payé 8 euros le disque avec livraison gratuite. Donc voilà, j'ai vu que ça m'intéressait. J'ai dit, ah, viens par là, toi. Vous verrez, je vous ferai présenter ça tout simplement. Oui, c'est voilà, ça me revient. C'est Chico et c'est en gros, c'est ceux qui chantent la Lambada. Donc voilà, vous allez voir la Lambada, mais c'est pas le titre la Lambada en vinyle. Il est commandé en vinyle, single de 93, je crois. Il n'est pas de dinguerie. Pareil, je vous ferai présenter, j'attends le disque comme impatience, tout simplement. J'ai commandé ça. Donc je ne l'aurai pas tout de suite parce que je ne l'ai pas vu qu'il est pris. Il y a un disque encore en attente, qui est en attente, c'est de Magic System, un single, c'est les Gohou. Gohou, n'importe quoi, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Oh, faut arrêter, il faut que je dise. Hein. Bon, non, vous verrez, c'est super, c'est leur premier single qu'on connaît en Europe, bien sûr, parce qu'il faut dire que le groupe, il date de X temps, hein, en Côte d'Ivoire, il a marché, mais il s'est fait vachement connaître. Dans les années 2000, et vous verrez que c'est un album de. C'est un single de 2002, 2003, 2004, quoi, en gros, et vous verrez, voilà, c'est vraiment un très beau 45 tours, si je dis pas de dinguerie, 45 tours. On verra, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de disques qui vont arriver. Alors pourquoi je vous dis que je risque de un peu moins commander? Parce que tout simplement, faut vous dire. J'ai commandé beaucoup de matériel pour la Sono, hein, pour l'association du Dutonic 78. J'ai commandé les micros, j'ai commandé. Alors pour vous dire la vérité, j'ai commandé un pack de 3 micros et 4 micros. Des Apex, il y en a 4 et 3 d'autres. Alors pourquoi j'ai commandé autant? Parce que le Apex était beaucoup moins cher. J'ai dit tiens, je vais prendre le Apex. C'est que l'autre, il était rien que les trois, on en avait pas loin de 400 euros. Alors moi, j'ai dit non, je préfère faire un peu moins. Donc j'ai équilibré, ça fait 400 à des poussières. Ça fait un total de 500 euros. Vous verrez, je vous ferai montrer ça tranquillement. Par contre, je ne les ouvre pas. Les seuls que je vais ouvrir, c'est les micros. Mais je n'ouvre pas les pieds. Les pieds, je vais les laisser fermer. Je vais les laisser fermer. Les pieds, j'en ai commandé, il y en a 3 pieds. Pour, voilà, parce que c'est pour les choristes. Donc je vais essayer de faire le nécessaire de vous présenter ça tout doucement. Honnêtement, vous allez voir, c'est comme... Pardon, excusez-moi. Donc désolé. Hein. Voilà. Donc, vous n'inquiétez pas, il y aura peut-être un peu de moins de disques, mais il y aura... Alors, pour la PlayStation, j'ai pas de nouvelles. Pour l'instant, je pense que ça va être ce mois-ci-là qu'on va en parler un peu, on verra. J'espère, et parce que je dois attaquer quand même une société pour faire mon ouverture de compte pro. Voilà, donc, merci Alex de m'envoyer un texto pour me parler de la société tu m'as proposé. Je te dis non, pourquoi? Voilà, je suis désolé, je t'ai donné le confinement, donc voilà, je te confirme. Donc, vous t'inquiète pas, je vais passer par un truc qui va marcher très bien, et je vais être pas patient. Je vous fais des gros bisous. Pour ceux-là qui s'abonnent à peine à ma chaîne, bonne année à vous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Surtout, prenez soin de vous parce que c'est très important, la santé, c'est le plus important. Donc voilà. Demain, normalement, si tout va bien, je vais être avec Paul Adelaine, donc Olivier, on va régler un petit problème qui ne va pas parce qu'il y a vraiment des associations qui ont un peu la grosse tête comme ça. Et qu'en fin de compte, ils ne se regardent même pas ce qu'ils font comme conneries, parce qu'ils ont promis un contrat à Olivier en disant que tout simplement, là pour aider, en fin de compte, il part à côté. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous fais des gros bisous, hein, prenez soin de vous, bye!